Il y a Dieu et il y a les footballeurs. À Luzira et en Ouganda aussi, quoi. Il y a les joueurs, mais il y a les supporters, avec les clubs de supporters, le président des supporters. Et puis chaque club a le président du club, le secrétaire général du club. Ils ont tous fait, ils ont tous écrit les constitutions de leur propre club. Il y a une ligue avec un président de la ligue. Donc soudain, le foot, organiser les matchs et toute la structure autour régente la vie de la prison. C'est-à-dire qu'on est tous quelque chose par rapport à cette ligue, en fait. Ça a été créé donc, au tournant des années 2000 par les prisonniers. Et très vite, l'administration pénitentiaire s'est aperçue que c'était un outil qui finalement permettait complètement de juguler la violence.